Bonjour tout le monde, bienvenue. Louons le Seigneur ensemble. Qui brise la puissance du péché des ténèbres, son amour est grand, il est tout puissant, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Ensemble, qui fait trembler la terre de son saint tonnerre, nous laisse étonner et émerveiller, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Oh, quelle grâce infinie, quel amour infailli, emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Hey! Oh oui! Amen. Tu m'en vas bien ce matin? Dis à quelqu'un, tu es brave ce matin. Parce que malgré la météo, vous êtes ici ce matin. Et puis, on aimerait aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous viennent par le biais de la radio, Radio Vie Nouvelle 92,7 FM. Bon dimanche matin à vous. Enneigé ici même à Ottawa, Ontario. Et aussi Québec, Lac-Saint-Jean qui sont en direct présentement nos campus. On vous aime, Pasteur Denis. Sois béni. Passe un bon dimanche là-bas. Et ici même, nous allons continuer sur la série « Tel quel, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Alors, on peut s'attendre à un service de 90 minutes. Et aussi, on prie pour les malades à la fin du service et on croit dans la guérison surnaturelle. Alors, si vous êtes malade et vous êtes dans ce lieu, vous pouvez vous avancer à la fin et on veut prier avec vous, on veut croire ensemble que Dieu est tout-puissant. Come on! Alors, Père, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit et merci que tu te manifestes dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Oh, notre Dieu bon, louons-le ensemble. Il est digne, il est grand. Hey, hey. Il brise la puissance du péché des Son amour est grand, il est tout puissant, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Oh oui! Il fait trembler la terre de son saint tonnerre, nous laisse étonner et émerveiller, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Oh, chantons ensemble! Oh, quelle grâce infinie! Quel amour a failli, emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Quel amour a failli, emportant mes péchés,
t'es fait crucifier. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Oh oui, il est digne, notre Dieu. Alléluia, ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé, oh oui. Qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne. Quelle grâce infinie. Ensemble. Et l'amour a failli en portant mes péchés. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. This is amazing grace, come on. This is amazing grace. This is a failing love that you will take my place. Avec la belle neige blanche. Wouh! Ensemble! Notre Dieu est vivant! Hey! Oh! He's alive! Hey! Vivant, il est vivant pour toujours glorifier.
Dieu ce matin. Yes. Notre Dieu est admirable. Nul n'est comme lui. Il est grand. C'est un Dieu de miracles. Il peut faire des miracles dans vos vies ce matin. Il veut recevoir ce matin. Hey. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, chantons encore. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu.
De toi. Nous aimons ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis ce lieu. Nous attendons plus de toi. Nous voulons recevoir ton amour, la guérison, tout ce dont on a besoin, Seigneur. Je vous encourage ce matin à lever vos mains. Recevez ce que vous avez besoin de lui. Saint-Esprit, ensemble.
Jésus. Quelques instants, peu importe où vous êtes, faites juste fermer vos yeux pour quelques instants. Québec, Lac-Saint-Jean, tous ceux qui viennent en ligne, faites juste fermer vos yeux pour quelques instants, pas ceux qui conduisent sur la route, sur la radio. Faites juste commencer à vous imaginer en lui maintenant. Peu importe la situation présente dans vos vies, vous êtes en lui. Vous êtes dans le Prince de paix. Vous êtes en lui. Peu importe votre situation au travail, votre situation matrimoniale, peu importe qu'est-ce qui se passe présentement, commencez à voir votre vie en lui. Et Père, merci que nous sommes en toi ce matin. Nous sommes dans ta présence. Père, merci que tu es en nous, Seigneur Jésus. Comment on fait? Juste fermer vos yeux. Commencez à le remercier parce que vous êtes en lui ce matin. Et vous commencez à saisir l'héritage qui vous revient. Père, merci pour l'héritage que tu as préparé pour tes enfants ce matin. Comment? Yeah, yeah. Alléluia. Commencez juste à le remercier présentement. Oubliez vos voisins, vos voisines. Juste remercie-le. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Comment dites-le? En toi, Seigneur, plus que vainqueurs. Plus que vainqueur. Alléluia, Seigneur. Plus que vainqueur. Peu importe la situation. Plus que vainqueur, Jésus. Plus que vainqueur. Alléluia, mon Jésus. Yeah. Plus que Jesus. Merci Seigneur, on est plus que vainqueur en toi Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci Seigneur Jésus. On remet tout entre tes mains, ce service, ce temps Père. Ta parole, on remet toutes choses entre tes mains, sachant que tu es là. Et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu es là dans notre vie, là dans les situations de nos vies. Père, tu es présent et nous sommes en toi Seigneur Jésus. Père, merci qu'on découvre encore une fois aujourd'hui, et pendant ce mois, et pendant jusqu'à la fin de l'année, l'année prochaine, on découvre qui nous sommes en toi, Père. Comment? Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-leur, je suis en lui. Yes. Est-ce que vous pouvez croire avec moi pour une multiplication cette année? Dis à quelqu'un, l'année n'est pas encore terminée. Dieu est au point de faire quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous allez le croire? Dieu est sur le point de faire un miracle dans votre vie. Alors, notre verset clé, on continue cette série sur notre identité. Vous savez, on doit connaître qui nous sommes en lui. On doit le découvrir qui nous sommes. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez été racheté à un prix tellement grand qu'on peut juste se tourner et par sa grâce, juste lui donner toute la gloire pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire. 1 Jean 4, verset 17, la première partie du verset nous dit « Parce qu'il n'a vive dans le monde, tant que Christ la table vive, n'dengue, yé azali,
Bisope Tozali Lokola Namokili. Cela est un petit peu plus difficile au départ. Ndenge Yezali Bisope Tozali Lokola Namokili. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Un jour, on pourrait prendre toutes les langues du centre-éveil et essayer de les dire un après l'autre. Bon, je pense que c'est assez, là, parce que... Vous savez, souvent, on ne réalise pas que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Regardez-vous vous-même et dites, tel qu'il est, tel je suis. On doit réaliser que nous sommes en lui. Vous savez, lorsqu'on réalise qu'il y en a un plus grand que nous et que nous sommes en lui, on dirait que les craintes disparaissent. Quand tu sais que ton père va prendre soin de toi, tu sais, à l'école, je me rappellerai tu sais, des fois les débats qu'on a en tant qu'enfant, mon père est plus fort que le tien. Attention, mon père, il est vraiment grand. Puis moi, c'était vraiment le cas, il est grand. Attention, mon père est fort. Et on s'appuie sur cette force, on s'appuie sur... On voit et on dit, waouh, lui, il est fort. Mais imaginez-vous que notre papa céleste est encore plus grand, plus fort, et on peut s'appuyer sur sa force. Lorsqu'on est faible, on s'appuie sur lui. Lorsqu'on n'est plus capable d'avancer, on s'appuie sur lui. À chaque jour, je remercie le Seigneur qui me fait réaliser que c'est sa grâce ultime qui a déversé dans ma vie, qui me fait réaliser davantage que... Peu importe comment est-ce que je me ressens aujourd'hui, tel il est, tel nous sommes. Point. J'ai plus besoin de m'inquiéter, j'ai juste à m'appuyer sur ses promesses, j'ai juste à m'appuyer sur sa parole et dire, Père, toi tu es, je suis. Come on. Come on. Vous savez, souvent, on stagne dans notre vie chrétienne et cela à cause de notre manque de connaissance, de compréhension de qui nous sommes réellement. S'il y a une chose qui nous empêche d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, c'est notre niveau de connaissance par rapport à ce que Dieu est et ce que nous sommes. Et si on se regarde ce matin, on réalise vraiment qu'on doit connaître notre héritage. Écoutez bien, c'est comme si vous receviez un téléphone aujourd'hui d'un oncle lointain que vous ne saviez même pas que vous aviez, et tout à coup il vous dit, écoutez, t'as un oncle, il est multimilliardaire. Il t'a mis sur ton test, il t'a mis sur le testament comme héritier. T'es comme, wouh! Tu dois venir en Angleterre parce qu'il a un château en Angleterre. Et on va commencer par le château, de le déléguer à ton nom, te montrer la propriété, les chevaux, toute la princesse, tout. Tout le royaume t'appartient. T'es là, wouh! Je m'en vais à la prochaine. Oui, c'est célibataire, c'est sûr. Alors, tout t'appartient. Puis en plus d'avoir un château en Angleterre, là, des bateaux, il y a une maison en Grèce, en Afrique, il y a quelques maisons, il y a des propriétés, il y a plusieurs choses. Il y a des champs de bananiers, de coconutiers, partout, il y a des maisons. D'ailleurs, il y a tellement de choses, ton oncle, que ça va te prendre toute ta vie à découvrir toutes les richesses qu'il y a. Parce qu'il y en a même d'enterrées. Il y a des maps et tu dois aller les découvrir. Imaginez-vous la joie que vous auriez. Je pense que je passerais ma vie à aller juste découvrir les trésors, les richesses qu'on a. Alors, c'est la même chose en Christ. Le plus qu'on est conscient, le plus qu'on réalise l'héritage que nous avons en lui, le plus qu'on est émerveillé, le plus qu'on dit « wow, ça me dépasse ». Mais le plus qu'on connaît, le plus qu'il nous dit, voilà, il y a telle chose là. Ah, wow, ça c'est merveilleux. En plus, il y a un bateau là. Wow, quel bateau qu'il y a. Wow, une maison, un chalet, un skidoo, une moto, tout. T'es là comme, wow. C'est la même chose. Au fur et à mesure qu'on est conscient de ce que nous avons, le plus qu'on peut marcher dans la victoire, le plus qu'on réalise ce que nous avons en lui, le plus qu'on avance. Vous savez, ce matin, le titre, je suis prêt à titrer ce message, « L'identité, la fin de nos sens ». Lorsqu'on découvre qui nous sommes, il faut vraiment oublier ce qu'on ressent. Des fois, on ressent pas qui nous sommes réellement.
Des fois, on réalise pas l'ampleur, mais on doit oublier nos sens naturels, des fois, pour comprendre que ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que les situations autour de moi, ça ne détermine pas mon identité. Mon travail ne détermine pas mon identité. La voiture que je conduis ne détermine pas mon identité. Le poste que je détiens ici en tant que pasteur est seulement un ministère et ne détermine pas mon identité. Comment? Mon travail ne détermine pas mon identité. Ma famille ne détermine pas mon identité céleste. Rien dans ce monde détermine qui je suis en lui. Rien, il n'y a aucun repère pour déterminer cela. Seule la grâce de Dieu, seul le fait que j'accepte ce qu'il a fait pour moi. Écoutez bien, dans Éphésiens chapitre 16, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18, nous dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous sans réveil. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je ne cesse de rendre grâce parce que Dieu va vous donner, et ma prière au travers de cette série, c'est que vous puissiez avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu puisse venir comme le mononcle et qu'il puisse vous dire, tu es héritier, tu es béni, tu es aimé, tu es dans le grand je suis. Qu'il vous donne un esprit. Dites, Seigneur, merci que tu me donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et vous savez qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Attends une minute. Ça veut dire que mon cœur a des yeux. Ça veut dire que mon cœur peut voir. Comme mon cœur peut voir, ainsi mon cœur, il ne peut aussi ne pas voir. Et la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens ici, c'était qu'ils puissent voir réellement, réellement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache, les richesses de la gloire de son héritage. Ce matin, je déclare sur vos vies que dorénavant, que davantage, il y a une lumière qui se forme dans votre vie par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne, qu'il éclaire par sa parole, qu'il éclaire qui vous êtes, ce que vous êtes appelé à faire, ce que vous êtes appelé à marcher dedans. Que ça soit clair les plans que l'Éternel a pour vous. Vous savez, la seule chose que vous avez besoin de faire si vous êtes à la radio présentement, le seul prérequis pour recevoir de Dieu cette nouvelle identité, c'est de l'accepter, de croire et de l'accepter. Il n'y a aucune vieille, il n'y a aucune bonne œuvre que vous pouvez faire, aucune quantité de bonnes pensées que vous pouvez avoir, même si vous dites être une bonne personne. La Bible nous dit « crois et sois baptisé en lui ». Sois en lui. Crois et reçois dans le fond. Crois et reçois ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez plein de choses. Vous savez, pendant tant d'années, des fois, on croit des mensonges à propos de nous. Combien de fois à l'école, on peut se souvenir peut-être des mensonges que nos amis nous ont dit. T'es bon, rien. Qu'est-ce que ça va faire de bon? Même des fois, des parents qui peuvent nous dire, ah, tu ne vaux pas la peine. J'arrête de me battre pour toi. T'es perdu. Peu importe c'est quoi les paroles négatives que vous avez entendues et qui ont formé le caractère de qui vous êtes aujourd'hui, ça peut changer. Ça peut changer. On doit arrêter de croire aux mensonges, les choses qu'on nous impose sur notre identité parce que vous êtes en lui. Et peu importe vos manquements, peu importe si vous n'êtes pas parfait, vous êtes en lui ce matin. Come on. Vous savez, il y a deux caractères dans la Bible qui me frappent. Qui ont posé la question « Qui suis-je? » Vous savez, c'est une grande question aujourd'hui de découvrir qui nous sommes. Et souvent, on va regarder aux choses qu'on ressent. Moïse et Gédéon ont aussi demandé cette même question « Qui suis-je? » Gédéon, qui était au pressoir, qui travaillait, qui était en train de faire, c'était sûrement un boulanger,
Il était en train de travailler, le grain, en train de battre le grain, et l'ange de l'Éternel apparut, et il dit, Gédéon, wow! Il dit, tu es appelé à libérer mon peuple. Et lui, dans sa tête, il dit, qui suis-je? Wow, attends, il déclare ce qu'il voit dans le naturel. Il dit, attends, je suis plus petit de la tribu. Notre tribu est la plus petite des tribus. Ma famille, c'est la plus petite des familles. Et c'est ça qu'il a entendu toute sa vie. C'est cette identité qu'il avait reçue toute sa vie. Mais Dieu avait une nouvelle identité pour lui. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Juge 6, 14, va avec la force que tu as. Ce matin, va avec la force que tu as. Va avec la force de l'Éternel. Va. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, l'homme cherche une identité en dehors de Christ. L'homme regarde à ses capacités. Qu'est-ce que moi je peux accomplir? Vous savez, il y a une chose que je m'ai toujours dit, c'est qu'il n'y a rien que je ne peux pas accomplir. Si je désire accomplir quelque chose et c'est dans le plan de Dieu pour moi, je peux l'accomplir. Rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, je sais que par mes propres forces, je pourrais même pas être un bon pasteur. Mais en lui, je peux être le meilleur des pasteurs. En dehors de lui, je peux être le moins bon des prédicateurs. Mais en lui, je peux être le meilleur prédicateur. C'est ça, on doit se voir en lui. Notre identité commence là où s'arrête, écoutez bien ça, notre capacité humaine. Notre identité commence. Va avec cette force que tu as. Il dit, ouais, où sont mes repères? Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Et l'Éternel dit à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Exode 3:13. Super encourageant. Oui, toi, t'es bon, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je vais libérer le peuple? Comment est-ce que je vais accomplir ce que tu me demandes de faire? Vous savez, je dis toujours, si ce que Dieu vous demande de faire, vous pouvez l'accomplir par vos propres forces, ce n'est pas Dieu. Si vous pouvez accomplir par vos propres forces ce que Dieu vous demande, priez plus fort. Parce que tout ce que Dieu va demander de vous va exiger que vous n'ayez plus de béquilles. Les béquilles, c'est des appuis que nous avons créés, que nous avons formés, pensant que nos forces sont des béquilles. Ben moi, je suis fort là-dedans. Mais vous savez quoi? L'Éternel va enlever ses forces. Il va faire exprès de vous mettre dans des situations où est-ce que vous allez dire, ben là, je pensais que j'étais fort, mais là, je suis ébranlé. Et l'Éternel va faire exprès de vous présenter une situation impossible, telle qu'il a présenté à Moïse. Moïse, qui était, oui, il était élevé en Égypte, mais écoutez, quand il a entendu ce qu'il était appelé à faire, il dit, mais moi, j'ai tué un Égyptien, je suis pas digne. J'ai fait des choses qui ne sont pas dignes. Je mérite pas l'appel. Mais il dit, va, pareil. Regarde pas à moi, il dit, regarde, je suis celui qui suis. En autre mot, tu n'auras pas besoin de t'appuyer sur ta propre force. Et ça, je trouve tellement bon. Notre identité commence là où s'arrête notre capacité humaine, nos yeux, nos oreilles, nos sens, nos forces et toutes nos possibilités humaines. Amen. Notre identité commence là où est-ce qu'on ne le sent pas. Écoutez, si on peut capter ça ce matin, c'est que les jeunes, vous êtes capables aussi d'accomplir. Peu importe ce que vous mettez dans votre cœur, ce que Dieu a déposé en vous, vous êtes capables de l'accomplir. En lui, si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, come on, on va aller loin. Sans réveil, on est appelé à aller loin. Come on, c'est vrai, vous êtes appelé à aller loin. En êtes-vous conscient, vous savez, Dieu le Saint-Esprit vient dans nos vies et il éclaire, il nous rend conscient des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses dans nos vies, il y a des empêchements dans nos vies, il y a des paroles qui ont été dites à propos de nous, il y a des mensonges qu'on a cru comme étant des vérités qui sont devenues des forteresses. Une forteresse, c'est un mensonge qu'on a cru et accepté comme étant une vérité
et on a besoin de la grâce et de l'illumination de la parole de Dieu et de Dieu Saint-Esprit dans nos vies pour qu'on puisse prendre conscience que la façon dont on a pensé pendant tant d'années était un mensonge, n'était pas ce que Dieu avait prévu pour nous. Et maintenant, je vois clairement parce que Dieu, il dit qu'il est la lumière du monde. Il vient dans le monde, il éclaire nos ténèbres, il éclaire toutes les choses autour de nous. Et si on demeure en lui, on demeure dans la lumière. Demeurant dans la lumière, on voit clairement autour de nous. Si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, on doit demeurer en lui. Jésus est la lumière du monde, il vient éclairer. Je me rappelle, il y a des choses dans ma propre vie que je ne savais pas qui étaient là, qui existaient. Des façons de penser qui étaient malsaines, des façons de penser, c'était pas un péché, c'était des façons de penser même à propos de mon identité. Et Dieu, Saint-Esprit, est venu, puis paf, il est éclairé, il dit, « Ça, c'est pas toi. » Et tout à coup, j'ai réalisé, j'ai pris conscience à cause que Dieu m'a apporté sa connaissance. Dieu m'a apporté quelque chose de plus. Sa grâce est venue sur moi à profusion. Cette grâce est descendue dans ma vie, puis elle dit, « Papa, c'est pas toi, ça. C'est pas toi, ça. » Et ce matin, je déclare que vous allez avoir ce « papa-là ». Vous allez recevoir ce que vous n'êtes pas. Dieu va vous éclairer dans vos vies et vous montrer qui vous êtes en lui. C'est fini les mensonges, c'est fini les choses qui ont été dites à propos de vous, je les lis dans le nom de Jésus. Et ça n'a plus de pouvoir dans votre vie. Come on. Vous savez, j'ai regardé un programme sur le chasseur ou The Hunt. Ça s'appelle The Hunt sur Netflix. Et puis, j'ai appris à propos d'un oiseau qui s'appelle, c'est un aigle forestier d'Amérique latine qui s'appelle un harpie féroce. Un des plus grands aigles au monde. Regardez la grosseur de ses pattes, la grosseur d'une main d'homme. Et cet aigle naît. Même s'il y a deux œufs, seulement le plus fort va survivre parce que les parents vont tuer le plus faible, automatiquement. Alors, le plus fort survit. Et au moment où il va grandir, pendant 6 mois, les parents vont le nourrir. 6 mois, ils vont tuer pour lui. Après ça, pendant 6 mois, il va faire de l'exercice de ses ailes. Et je disais, waouh, ça c'est puissant. Il ne connaissait pas la force qu'il avait. Il ne connaissait pas la capacité qu'il avait. Il ne connaissait pas la capacité qu'il avait de voler, de venir sur sa proie, de l'attaquer avec la force qu'il avait dans les mains, dans les pattes. Et il réalise certainement, lorsqu'il va pour aller chercher sa proie, il dit, waouh, je suis fort. Il arrive. Et puis c'est fini pour la proie. Mais des fois, il doit rencontrer un match, puis il dit, waouh, lui était plus fort que je pensais. Et il doit laisser. Mais il ne réalisait pas la force qu'il avait, mais c'était incroyable. Comment dire. Si après une année, il n'était pas capable de tuer sa propre proie, c'est les parents qui le tuaient. Féroce, c'est pour ça qu'on l'appelle l'harpie féroce. Mais c'est tellement beau, comment dire. C'est tellement beau, mais c'est féroce. Mais vous êtes en formation, vous êtes en développement. On travaille nos muscles jour en jour pour réaliser, lorsqu'on étend nos ailes avec Dieu Saint-Esprit, on réalise la force et l'autorité qui nous a été donnée pour marcher dans ce monde, pour marcher dans la lumière, pour marcher sur les ténèbres, pour marcher dans les situations de la vie, sachant qui est avec nous. Come on. Dis à quelqu'un, déploie tes ailes. En ligne, par Internet, déployez vos ailes ce matin. Les ailes que le Saint-Esprit vous donne. Éphésiens chapitre 1, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul enseigne aux Éphésiens. Et voici le verset clé ou le passage clé ce matin. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 7 à 9 et après 17 à 19. Au chapitre verset 7. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée, comment? Généreusement. À la mesure des richesses
de sa grâce. Seigneur, aujourd'hui, je suis ici présent. Je me tiens pas sur mes réussites du passé. Je me tiens pas sur quelconque mérite. Je n'ai aucun mérite pour être devant vous. Aucun, nul, zéro, zit. Seule la grâce de Dieu a fait en sorte qu'il m'a apporté dans la direction. Il m'a montré le chemin. Vous savez, depuis que j'étais jeune, je savais pas exactement ce que j'étais pour faire pour Dieu. Alors, j'ai 18 ans, je savais que Dieu m'appelait. Je savais qu'il m'appelait à accomplir quelque chose pour lui. Alors, je me rappellerai, un soir, on était en France, et puis il y a une femme qui a dit, « J'ai vu Jésus, j'ai eu un rêve, et j'ai vu Jésus venir verser de l'huile sur les pieds de Matthieu. » Elle avait dit ça à mon père ou à ma mère, puis ils me l'ont dit, et ça m'a toujours, toujours marqué. À partir de l'âge de 18 ans, j'ai dit, « Wow, Dieu m'appelle à faire de grandes choses, j'ai les pieds oints! » Comment je peux marcher sur les serpents et les scorpions? J'ai un appel, j'ai... Waouh! Dieu m'a donné des aperçus comme ça, mais je n'ai pas su l'appel à 100% jusqu'à ce que ça soit quelques années avant que j'étais appelé à devenir pasteur ici. Vous savez, Dieu a une façon de faire les choses pour qu'on puisse s'appuyer sur lui. Pendant toutes ces années-là, il y a eu des moments de détresse, il y a eu des moments où je voulais abandonner, et puis je m'ai tourné vers la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est ta grâce sans mesure qui fait que je puisse marcher dans les plans que tu as préparés d'avance pour moi. Écoutez, je ne mérite pas d'être ici. Et peut-être que vous aussi, vous trouvez dans votre situation, puis c'est parfait si vous ne méritez pas où vous êtes rendu. Parce que Dieu est en train de faire un miracle dans notre église. Il est en train de faire un miracle pour vous. Au travail, vous allez avoir des promotions que vous ne méritiez pas. Les autres vont vous regarder, vont dire, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais c'est parce que je suis enfant du roi. J'ai des héritages, j'ai des promesses qui s'en viennent vers moi. Et je vais avoir les promotions. Les autres comprendront rien, mais moi, je vais comprendre. Parce que je suis fils de la lumière. Et là où je suis, je prends le territoire. Come on! Continuons avec ce passage. Alors, à la mesure des richesses de sa grâce, cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Moi, j'aime tellement le mot profusion. Nous, on est allé faire du whitewater rafting, mais c'était propulsion. Mais lorsqu'on descendait, il y avait comme une puissance dans l'eau. C'était énorme, c'était fort, c'était comme... Wow! Alors, je peux m'imaginer que Dieu déverse sa grâce en profusion, comme cette eau qui vient, qui te lave, là, tu sais. Plus de puissance, t'es hors de toi-même. Dieu fait le miracle. Elle a débordé dans nos vies. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette grâce? Et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouis en nous. Écoutez bien ça, de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Qui nous a rendu capables de saisir le secret du plan de Dieu? Écoutez bien. De nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. À l'école ou peu importe l'université, de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Si on demeure en lui, Dieu, il fait en sorte qu'on est les plus intelligents. Il fait en sorte que nous, on ait les solutions. Lorsqu'on se présente devant une situation, Dieu, paf, il éclaire, il montre. Je me rappelle la nuit, où est-ce que les jours où est-ce que je travaillais ici dans la télévision. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur que ministre Jean ait repris tout ce qui est production, montage. C'est beaucoup de travail. Je me rappellerai un jour, j'étais vraiment bloqué. Et tu sais, j'ai lu tous les blogs possibles, imaginables sur la production. Tu sais, je remercie le Seigneur pour Google aujourd'hui. Parce que je ne serais pas où je suis s'il n'y avait pas Google. Peut-être vous aussi, vous ne seriez pas où vous êtes aujourd'hui. Écoutez bien, à la maison, peut-être c'est votre situation. Merci pour Google. Merci qu'il y a des gens qui ont eu la compréhension de lier plein de sites, plein de choses ensemble, pour qu'on puisse aller chercher plus de connaissances. Et je me rappellerai, j'ai tout lu, je ne comprends rien. Merci Saint-Esprit. Toi, par exemple, tu dis que tu nous as épanouis en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Et à ce moment-là, j'ai eu un rêve la nuit. Et Dieu m'a donné une parole de sagesse. Il m'a montré en vision, dans mon rêve, comment régler le problème. Il a dit, bouge la main, tu vois le menu, tel menu, il va descendre, tel bouton, pèse ça,
Et tu vas avoir ta réponse et ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'avais juste hâte à une chose, c'est de rentrer au travail pour pouvoir appliquer ce que j'avais vu dans mon rêve. Et quand j'arrive ici, ça a fonctionné. J'ai tellement été ébloui, j'ai tellement été épaté de la grâce de Dieu et cette compréhension, cette sagesse qui vient de lui. J'ai appelé ma mère, je ne sais pas si elle s'en souvient, j'ai figuré le problème, je n'arrivais pas à avancer, j'ai eu un rêve et Dieu me l'a montré en vision. Et je l'ai fait et Dieu, ça c'est merveilleux, ça c'est une grâce, la propulsion. Dieu veut faire la même chose avec vous. Au travail, votre patron dit, « Man, t'es tellement intelligent, ça n'a pas d'allure, je vais te donner la responsabilité de tout le département. » En toi, je vois plus que les autres. En toi, je vois cette capacité en ligne. Dieu a tellement plus pour vous. Continuons. Verset 9, « Ah, qui nous a rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. » Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé comment? En Christ. Verset 17. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux, quoi? Le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Une pleine lumière au centre éveil, vous êtes éclairé, non à cause de vos propres recherches, mais à cause que Dieu Saint-Esprit est sur votre vie. À chaque fois, je donne libre accès à Dieu Saint-Esprit dans ce lieu afin qu'il m'éclaire, afin que j'ai besoin d'être éclairé. À chaque dimanche, j'ai besoin d'être éclairé. À chaque fois que je monte ici, j'ai dit, Saint-Esprit, si tu m'éclaires pas, ça peut être un beau message, mais ce sera pas ton message. Dieu a quelque chose de particulier pour chaque jour de notre vie. Dieu a une manne fraîche. La manne de hier était bonne, mais aujourd'hui, Dieu veut se révéler d'une nouvelle façon. Dieu veut venir nous nourrir dans notre esprit. Il veut nourrir notre esprit par sa parole. Il est la lumière du monde. Si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, on peut marcher avec confiance, on peut avancer. Le roi David a dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Moi, j'aime la lumière. Combien de fois je m'ai pété les orteils sur le bord de mon lit à cause que je ne voyais pas le noir, je ne voyais pas... Tu savais, des fois, ma femme, on a mis un nouveau banc au bout de notre lit. Et puis là, j'ai vraiment comme, on dirait comme les premiers soirs, pendant que les lumières étaient ouvertes, j'ai comme pratiqué la distance. Tu sais, pour pas se frapper les tibias. Tu sais, pas les tibias, ben les, ouais, c'est ça, tibia ici, là. Paf, tu sais, quand tu te frappes, tu oh, au. Puis là, t'es là, parce qu'ici, c'est comme 2h, 3h du matin, t'es à la salle de bain, puis tu, come on. Ça vous est jamais arrivé? C'est juste moi que ça est arrivé. Mais on doit pratiquer Dieu. Pendant que la lumière est là, on connaît le sentier. Et quand viennent les ténèbres, Dieu est là et on connaît le sentier. Même si les ténèbres nous environnent, on connaît, on a déjà marché là. On a déjà été éclairé. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Come on, il est avec nous, centre éveil. Nous sommes en lui et on marche dans sa connaissance. Verset 17, Éphésiens 1. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, prenez ça pour vous, là, ça c'est pour vous, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ses mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Verset, on continue. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Mon oncle, allô, comment ça va? Oui, t'as des richesses, t'as un héritage. Viens en Angleterre.
Vous avez un héritage. Lorsque Dieu Saint-Esprit va faire appel à votre conscience, il va faire appel à votre connaissance, il va dire, sache que tu es mon enfant. J'ai un témoignage au premier service après, qu'elle vivait une situation difficile. On voulait l'accuser, on voulait mettre des paroles ou des choses sur sa vie qui n'étaient pas elle. Et Dieu, dans son amour, il est venu comme, il lui a montré un cœur et de la lumière qui traversait ce cœur, qui disait, non, c'est pas toi. Et c'est ça que Dieu fait dans nos temps difficiles de la vie. Il y a des temps, il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de sa lumière. On a besoin d'être éclairé sur qui nous sommes réellement. Vous savez, on est héritier parce qu'on est en lui. Vous savez que vous êtes l'héritage de Christ. Vous savez ça? Vous êtes l'héritage de Christ. Et nous sommes en lui, et Christ est l'héritage du Père. On est en lui co-héritier avec Christ. Comment? Moi, j'aimerais ça juste être mis sur un testament avec plein de richesses, juste co-héritier. Donne-moi juste une part. Donne-moi juste la part qui me revient. Comment? Est-ce que vous avez une part qui vous revient en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez la part qui vous revient? Est-ce qu'on va aller saisir par la foi, par le Saint-Esprit qui nous révèle les choses qu'il a cachées depuis la fondation des temps et afin qu'on puisse marcher dans ses plans secrets qu'il a pour nous? Quelle est la merveilleuse, quelle merveille vous êtes en droit d'attendre? Car inépuisable, verset 19, que vous preniez conscience de l'étendue, j'ai changé mot ici, démesurée, du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Hey, un pouvoir démesuré. Hey, moi, je me sens comme Superman. Un pouvoir démesuré, un jour, j'ai dit, je veux voler. Ben, là, je regardais les messieurs avec les jetpacks. Tu sais, les jetpacks, là, ils ont deux manettes comme ça, puis ils volent, ils ont des propulseurs en dessous. Là. Hey, je capote. J'ai dit, un jour, il faut que j'essaie quelque chose comme ça. Libre comme un oiseau, sans ailes. Mais, hey, ce serait le fun, je regardais ça, là, puis il lève, là, c'est comme, wow! Vous avez vu ça sur Facebook? Hey, le gars, il est fou un petit peu, parce que c'est comme, tu sais, les tests pilotes, là, les premiers qui font les essais, là, c'est vraiment eux, des fois, qui goûtent la... T'as vu planté dans l'eau après, tu sais, comme le jetpack a manqué, je sais pas trop, il a manqué ses manipulations. Et puis, dans l'eau. Mais quand même, il est le premier à oser faire ça. Il est le premier à oser peser le bouton et dire, je fais confiance, même si je ne connais pas tout. Quand il est levé sous terre, c'est fini. Soit ça marche, ça ne marche pas. Mais en Dieu, c'est comme ça. On doit lui faire confiance. C'est comme le jetpack. C'est lui qui est là. Puis il dit, si tu es capable, je serai avec toi. Je suis celui qui suit. Arrête de t'inquiéter, arrête de t'en faire pour le travail que tu dois avoir. Je vais te montrer le chemin, je vais te montrer. Tu étais des problèmes financiers. Le problème, ce n'est pas le manque de finances. Le problème, ce n'est pas la pauvreté. Le problème, vous savez quoi? C'est la connaissance que Dieu, vous êtes en lui et qu'il est en vous et que vous avez autorité. Il faut réaliser l'ampleur de ce que Dieu a déposé en nous. Dieu a tellement plus, Dieu a plus. Come on. Vous savez, le contact entre la révélation de la parole de Dieu et notre esprit produit l'éveil de notre conscience. Quand on lit sa parole, paf, tu as déjà eu une révélation, tu as déjà eu quelque chose qui t'est venu, tout à coup, tu dis, ah, là, je capote. Hein? Là, je n'avais pas saisi ça, mais là, il y a quelque chose, j'ai saisi. C'est pour ça, pressez-vous pas. Vous savez, la Bible, c'est comme ce trésor de mon oncle qui t'appelle. Et puis, tu te rappelles plus trop de la direction qu'il t'a donnée. Tourne à droite, tourne à gauche, puis tu vas voir, il est juste là. Mais tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il y a un trésor. Puis quand tu découvres, quand la parole est révélée à ton esprit, quand tu reçois la connaissance de sa parole, tu prends conscience et tu prends par la foi ce que tu as besoin. Quand je lis la parole, des fois, je dois juste m'arrêter. Je m'arrête pour méditer. Je dis, non, attends une minute, j'ai pas compris. Mon cœur a des yeux. Est-ce que des fois, on fait juste lire pour lire la Bible? Ou est-ce qu'on lit puis on demande au Saint-Esprit, donne-moi la connaissance, donne-moi la compréhension du texte, donne-moi
Regardez ce que ça dit, psaume 119, verset 130. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière et les simples comprennent. Non seulement la lumière, mais c'est une révélation, l'éclosion, l'entrée. Ça illumine, ça l'éclaire, ça rend ça rend la parole compréhensible. Quand on découvre, alors découvrir, ça veut dire que c'est caché. Lorsqu'on découvre notre héritage, lorsqu'on apprend à comprendre, lorsqu'on connaît, lorsque Dieu, Saint-Esprit, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'on puisse réaliser l'ampleur de l'héritage que nous avons. Lorsque je réalise, lorsque Dieu, Saint-Esprit, me révèle, tout le monde te dit pendant toute ta vie que tu étais un perdant, et tout à coup, Dieu, Saint-Esprit, dit non, tu n'es pas un perdant. Paf, révélation, connaissance nouvelle, je capote. Dieu, le monde me dit, vous savez, ce qu'on a cru, les mensonges qu'on a cru pendant des années sont... Vous savez, c'est quoi une forteresse? Des mensonges qu'on a cru pour être une vérité pendant plein d'années sont devenus, c'est des forteresses. Un mensonge que l'on croit être une vérité a le potentiel de devenir une forteresse. Le plus longtemps que je crois à un mensonge, le plus ça devient ancré en moi et le plus que j'ai besoin de Dieu, le Saint-Esprit, qui vienne éclairer ce mensonge, parce qu'il n'y a aucun ténèbre, aucun mensonge qui peut résister à la présence de Dieu. Écoutez, Dieu est lumière. Il vient, paf, il éclaire. Merci Seigneur, come on. Je veux juste fermer vos yeux juste quelques instants. Et Seigneur, je te remercie que tu éclaires, Seigneur Jésus, chaque cœur ici, Seigneur. Les mensonges que peut-être on a cru pendant des années, puis on pensait que c'était vrai, même soit à propos de nous, même par les choses qui sont cachées qu'on ne voit même pas aujourd'hui. Père, on te remercie que ton Saint-Esprit vient et tu apportes la lumière. Père, tu nous révèles dans nos cœurs les choses. Tu révèles dans nos vies l'héritage que nous avons. Père, je te remercie que ton peuple s'entreveille. Tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet ce matin, Lac Saint-Jean, réalisez Lac Saint-Jean que vous êtes plus qu'un groupe de personnes qui se réunit. La présence même de Dieu se manifeste au milieu de vous. Et sachez que j'ai des grandes promesses pour le Lac Saint-Jean. L'Éternel va faire croître le Lac Saint-Jean. Québec aussi. Dieu a des promesses. Dieu voit l'avenir. Et Dieu révèle son plan divin au fur et à mesure qu'on lui fait confiance. Au fur et à mesure qu'on ne s'appuie plus sur notre propre intelligence, mais qu'on s'appuie sur sa parole. On s'appuie sur ce que lui dit. Come on. Merci Seigneur Jésus. Les yeux de notre cœur sont ouverts ce matin. Vous savez, Christ est la lumière de la vie. Et cette lumière éclaire l'esprit, mon esprit, et amène ma conscience à réaliser qui je suis. Comment? Christ est la lumière de la vie. Il me révèle qui je suis et m'amène dans les sentiers de la vie. Il m'amène, il y a tellement de bonnes choses qu'il prépare pour nous. Faites confiance, les jeunes, faites confiance à Dieu. Que peut-être vous avez reçu une révélation, peut-être vous avez reçu une promesse de Dieu, mais accrochez-vous à cette promesse parce que Dieu va l'accomplir, c'est Dieu qui va le faire. Come on. Yes. Yannick, est-ce que tu veux venir ici? J'ai une parole pour toi. Puis tu peux amener ta future femme. Yes, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'appel que tu mets sur sa vie, Seigneur Jésus. Père, je te remercie pour Yannick, Seigneur, que tu as préparé, Seigneur, des chemins tout tracés, Seigneur. Père, aucune inquiétude, aucun doute, aucun souci, Seigneur Jésus. Je te vois marchant de plus en plus dans la lumière.
Et Dieu, Saint-Esprit, va se révéler dans la mesure que tu le désires. Si tu creuses, ça dit, c'est comme l'or. Et tu es en train de découvrir l'or, les richesses. Continue à chercher, continue à creuser. Dieu, Saint-Esprit, a de grandes choses pour toi. Des grandes choses dans ta vie. Des choses que même toi, tu n'as pas imaginées. Tu n'es même pas arrêté pour concevoir des plans. Mais sache que l'Éternel avait déjà conçu de la fondation du monde. Un jour, il t'avait vu. Il t'avait choisi. Il avait dit, ça, c'est Yannick. C'est mon fils. Come on. Merci, Seigneur. Remplis-le, Seigneur Jésus, de ta présence. Remplis aussi, Seigneur Jésus, de ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Yes, ensemble, je vois vraiment comme une croissance qui s'en vient dans votre vie. Une faveur aussi, toi, une faveur dans ton travail, une faveur dans ton métier. Je vois comme une faveur accrue, comme incroyable. Je vois vraiment comme un poste vraiment élevé dans ce que tu fais. Plus même que tu penses présentement. Toi, tu visionnes quelque chose, mais c'est comme si Dieu est comme, paf, il y a quelque chose de plus. Puis tu vas le découvrir au fur et à mesure que tu fais confiance à Dieu. Mais tu vas voir, les portes vont s'ouvrir et tu vas voir, tu vas marcher dans ses promesses et tout à coup, un jour, tu vas te réveiller. Tu vas dire, attends une minute, j'étais là, comment je m'ai rendu ici? Mais ça, sache que c'est Dieu qui le fait et c'est Dieu qui va le faire dans le temps, le timing qu'il a préparé d'avance. La même chose pour Yannick. La même chose. Un jour, vous allez ensemble, vous allez dire, Seigneur, tu nous as amenés jusqu'ici. Tu nous as amenés jusqu'ici, j'en reviens pas. J'en reviens pas que nous sommes aujourd'hui là et que nous servons l'Éternel. On est là dans la maison de l'Éternel. On sert, on est béni, on croit. Yes, come on. Merci, Seigneur. Remplis, Seigneur Jésus, de ta présence. Merci, Seigneur. Comment donner une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Steve, viens ici, j'ai une parole pour toi. Viens, Annick aussi. Je vois tellement un homme fidèle. Dieu est tellement pour toi. Comme j'ai toujours dit, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai toujours dit « homme de Dieu ». Mais il y a un appel sur ce jeune homme. C'est un dirigeant, on ne le voit pas encore, mais je vois un grand leader en toi. Je vois quelqu'un qui a des promesses sur ta vie, comme un héritage, que toi aussi tu vas être comme Yannick, puis comme tu vas te réveiller un matin et te dire « j'en reviens juste pas ». Que pas tu m'as fait aller de cette étape à cette étape. Tu as vécu des moments difficiles dans ta vie. Tu as vécu des temps même de guerre. Mais sache que Dieu apporte la paix dans ta vie. Dans tout ce que... Vous savez, quand Dieu appelle, quand il y a un grand appel sur nos vies, il y a des grands combats. Et l'ennemi a voulu t'arracher, te tirer, te mettre par terre, t'écraser. Mais sache qu'aujourd'hui, la lumière de l'Éternel se lève sur toi, sur ta famille, sur ta femme. Père, merci que tu fais trouver faveur à cet homme, Seigneur, de Dieu. Père, merci, Seigneur, pour ce qu'il est, ce qu'il fait, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Et chaque chose que tes mains, Dieu a augmenté même ta connaissance dans ton travail à un tel point que les gens vont venir vers toi, vont dire, Steve, comment on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut gérer telle ou telle situation? Et paf, tu vas être éclairé dans ton cœur, tu vas savoir la réponse et tu vas être une source de bénédiction, tu vas être une source comme inépuisable de sagesse, genre. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu donnes la sagesse à cet homme et à son épouse. Merci, Seigneur, tu remplis, Seigneur, ce couple. Père, merci. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sache, Dieu vous a mis ensemble. Vous êtes parfaits ensemble. Il n'y a rien qui manque. Rien de brisé. Tout va bien. Tout va bien.
C'est comme je vois dans un cocon, tu sais, les deux ensemble. Puis dans la mesure vous avez appris à vous découvrir davantage et découvrir la grandeur de Dieu au travers de votre vie. Mais sache que Dieu éternel, il va vous faire éclore. Ça va commencer à sortir comme la lumière qui sort. Pouf, et les gens vont commencer à avoir des rayonnements, comme paf, ça va les frapper. Ils vont dire, waouh, ça c'est Steve qui me dit ça. Et même toi, tu vas réaliser, tu dis, man, merci Seigneur, tu mets ta sagesse dans mon cœur. Rempli, recevez par la foi maintenant. Seigneur, merci pour ta sagesse. Merci pour cet homme de Dieu. Sache que je ne changerai pas mes paroles. À chaque fois que je vois homme de Dieu appelé à son service, Sharabaki Tereshi, demeure fidèle là où tu es, Seigneur, un jour il va t'élever. Et t'apporter dans la mission, dans ce qu'il a pour toi, depuis la fondation des temps. Sois béni. Amen. Amen. Yes. Merci Seigneur Jésus. Come on. Ce matin, j'ai des déclarations pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? On va juste déclarer ensemble. On dit ensemble, au nom de Jésus-Christ, on dit ensemble, je refuse les ténèbres, car je suis un être de lumière. Je refuse la maladie, car je suis né en Christ pour être en bonne santé. Je refuse la pauvreté, car je suis né en Christ pour manifester la richesse du royaume de Dieu sur la terre. Je refuse le malheur, car le plan de ma vie est un plan de bonheur. Je refuse d'être ce que Dieu n'a pas dit que je suis. Je refuse les limites imposées dans ma vie au travers des systèmes de ce monde. Je déclare avec conscience que je suis béni en Christ. Je refuse de penser, ni de croire, ni de prendre conscience au manquement, car mon Père Céleste m'a tout donné en Christ. Je confesse que le triomphe du monde sur Satan, car par l'action de ma foi consciente et vivante en la parole de Dieu, j'ai la ferme assurance de manifester Christ glorifié dans ma destinée. Je me lève maintenant dans la lumière de Christ pour impacter la terre. Amen. Yes! Come on. Alléluia. Oh, yeah. Alléluia. Fais juste élever vos voix. Remercie-le pour cette parole. Alléluia. 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 Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Son intelligence, sa compréhension. C'est l'Esprit qui fait toutes choses.
Père, merci pour ton Saint-Esprit qui descend dans ce lieu. Et Père, que tu puisses toucher chaque vie qui sont ici et qui puisse marcher dans leur destinée. Je termine juste avec cette petite histoire pendant que vous êtes debout. Lorsque j'étais pour quitter pour aller à Paris avec mon père, il y avait un gros combat pour que je n'aille pas du tout. Un grand combat. On dirait, tout me disait, vas-y pas. Vas-y pas. Je savais que je devais y aller. Mais dans ma chair, c'est comme si je ne pouvais plus me fier sur mes sens. Parce que si j'écoutais mes sens, j'y allais pas. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance que tu as quelque chose que je dois apporter là-bas. Et je suis allé. Et puis pendant que j'étais dans la chambre d'hôtel, pendant que j'étais là, j'ai eu un désir de finaliser mon chant. Oui, je m'abandonne. Puis j'ai juste, c'est comme s'il y a un cri qui est sorti de mon cœur. Ça fait 10 ans que je veux le faire. Puis c'était toujours une montagne, comme je voyais ça, comme quelque chose d'inatteignable, de pas capable. Vous savez, des fois, il y a des montagnes dans nos vies. Et ça semblait être la plus grande montagne. Et je veux le faire. Puis Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est le cas de le dire. Et cette fin de semaine-là, mon père a dit, chante le chant, oui, je m'abandonne à la conférence. J'étais pas planifié. La guitare fonctionnait pas bien. Je peux même pas la brancher. Et on a mis un micro. Le micro faisait du feedback. C'était... J'ai dit, je m'abandonne. À toi. Blaise était tellement touché là-bas, il dit, c'est impossible que tu quittes Paris sans qu'on enregistre cette chanson-là et qu'on fasse une vidéo. Impossible. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait une vidéo là-bas. Et j'ai fini, je remercie Joss aussi de BODB et toute l'équipe BODB, Sabaya, Steven aussi Durand, qui sont impliqués dans cet album qui va sortir. Mon premier chant, single, Oui, j'aime Abandon, va sortir samedi prochain. C'est un miracle. Vous savez, pour moi, c'est un miracle. J'ai dit, il faut que ça soit utilisé pour la gloire de Dieu. Je veux pas la gloire des hommes. Je m'en fous, mais si les gens peuvent s'abandonner à lui. Et ça va sortir, je vais la faire durant la conférence, la chanson, je vais la faire le vendredi après-midi, juste avant que je parle. L'équipement du surnaturel. Mais sachez ceci, que peu importe, vous savez, avant les plus grandes victoires dans vos vies, il va y avoir tout pour vous arracher, tout pour vous déstabiliser, tout pour dire non, vas-y pas, non, fais-les pas, continue pas à aller au centre-éveil, continue pas dans ta recherche d'emploi, continue pas, abandonne maintenant. Parce qu'il y a quelque chose, lorsqu'on s'appuie sur Dieu, dans les plus grands combats de notre vie, il y a les miracles qui se produisent. Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et là, ça me donne le courage, puis je suis déjà en train de travailler sur mon deuxième chant. Ça me donne le courage de continuer. C'est une montagne. Peu importe les montagnes dans votre vie, Dieu veut utiliser ça, les défis de votre vie, pour vous faire encore grandir en lui. Come on. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque personne dans ce lieu. Père, peu importe les défis, peu importe les situations, les scénarios, Seigneur Jésus, l'ennemi, c'est un menteur. Ce qu'il vous a promis, il va le faire. Ce qu'il vous a promis, il va le faire dans votre vie. N'écoutez plus la voix de lorsque vous étiez enfant ou que vous aviez une mentalité d'enfant ou une conscience d'enfant. Vous savez, on vit des choses quand on est enfant. On le perçoit, on l'interprète comme un enfant. Mais maintenant, je suis devenu vieux. Je suis devenu dans le Seigneur. Je suis devenu en lui. Je ne suis pas vieux, je suis jeune. Je suis devenu en lui et je comprends maintenant ce que l'Éternel a pour moi. Vous avez une identité incroyable. Vous allez aller loin. Vous allez aller loin. Ce n'est que le départ dans votre vie. Sachez que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les défis que vous faites face, ne sont qu'une plateforme pour vous propulser dans votre destinée. Come on, à la radio, peu importe où vous êtes ce matin, regardez la situation dans laquelle vous trouvez et dites, je suis en lui. Je suis en lui. Come on. Je veux conclure ce matin. J'aimerais prier avec tous ceux et celles. On va premièrement prier pour tout le monde afin que vous puissiez que la lumière de Christ se fasse dans toutes vos situations.
prenez le temps d'arrêter de lire la parole de Dieu. Des fois, si vous lisez un verset le matin, un verset, j'ai resté pris sur un verset pendant toute une journée. Un verset que je voulais savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je regardais le contexte où Dieu a des perles, il y a des richesses cachées. Et c'est ceux qui sont assoiffés qui vont les trouver. Come on. Père, merci pour tous ceux et celles qui sont dans ce lieu. Remplis-les par ton Saint-Esprit. Père, merci que notre église est une église de sagesse. Père, tu l'as prophétisé par la bouche du prophète Charlie que nous étions pour être une église sage, bien réglée, bien dirigée. Et Père, je le déclare aussi pour ceux et celles qui viennent au Centre Éveil que leur vie est bien dirigée, bien coordonnée, bien orchestrée. Par toi, tu es le maître de l'orchestre, Papa Céleste. Et Père, tu orchestres les situations dans notre faveur. Père, on te remercie. On déclare tes bienfaits, on déclare ta bonté. Non, nos sens, notre identité débute là où nos sens se terminent. Là où on oublie nos capacités humaines. Père, notre identité est en toi. Père, remplis chaque personne dans ce lieu. Si vous êtes ici, vous êtes malade dans votre corps, peu importe ce que vous avez, venez devant, on veut prier avec vous. On a une équipe ici qui croit dans les miracles, les guérisons et ce que Dieu a pour vous. La maladie ne vous appartient pas. Venez devant. Si vous n'arrivez pas à dormir au premier service, j'ai mentionné sinon qui sont tourmentés la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, venez, on prie pour vous et soyez bénis. Comment? Soyez éclairés. Comment vous allez marcher dans la victoire. Come on. Bonne main d'applaudissement pour le Seigneur ce matin. Alors, bon dimanche à vous en ligne par le biais de la radio. Passez un bon dimanche. Soyez bénis. Et ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Pendant qu'on chante ce chant, on va juste lui donner toute la gloire. Amen. Bon dimanche à vous. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es. Amour.